Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming pour un nouvel épisode de Pirates versus Pirates avec des pirates et Boobies. Salut Boobies. Boobies n'est pas un pirate. Si, je suis un pirate. Tu es un bulle bizarre. Oui, c'est vrai. Alors, on a 4 capitaines à aller tuer sur l'île de Crookedmast. 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 Yes. Je sens que tu vois pas grand chose. Est-ce que tu vois mieux? Oh, merci. C'est là, tu l'as passé, au-dessus. Ah ouais, bien vu. Oh, elle est nulle cette île. Ok, c'est parti, on va vers le sud. C'est parti. Hop là. Je te descends une voile. Hop, une voile, monsieur. Faut que je tende l'oreille pour les statuettes, c'est chiant. Y a pas une petite épave pour bien nous accueillir là sur le serveur? Oula, par contre il y a des bateaux en ouest. Ah bon? Ouais, ouest. Enfin ouest à notre à bâbord. C'est un galion, monsieur. Bâbord c'est gauche. Ouais, c'est gauche. C'est un galion. Donc c'est l'est. C'est l'est. Ouais. Parce qu'on dirige vers le sud, évidemment. Oui. À moins que tu veuilles attaquer le galion. Non, pas spécialement, mais tu sais, moi je suis pas un pirate offensif. Hein. Oui, c'est vrai. Moi je suis un gentil voyageur, je suis un fond de cale. Moi je me fais plutôt des potes pour aller m'asseoir mes miches sur un trône. Je suis plutôt ce genre de type, tu vois. Plutôt du genre à chercher des potes, pour essayer de tuer un mégalodon, affronter l'hostilité du serveur. Tu sais, je suis un joueur très PVE. Bon. Je suis assez PVE dans les autres jeux, mais dans ce jeu, je t'avoue que le PVP j'aime beaucoup. Ouais, je peux comprendre, mais bon, attaquer des mecs en boucle, puis bon, le problème en plus c'est que ça a tendance à se revenimer, c'est-à-dire que quand tu tues des gens, ils reviennent et ça revient à la charge. Tu sais, comme la dernière fois, on a vu les deux galions là, ils se sont mis sur la gueule pendant combien de temps? Une heure? Pendant une heure, les mecs ils se mettent sur la gueule? Non, c'est trop long, c'est trop de perte de temps pour rien. Tout cet argent qui est sacrifié pour un coffre, ça n'a aucun intérêt. Ou comme la dernière fois que j'ai tourné avec Bob, on avait des gars qui nous poursuivaient. On avait rien, enfin je crois qu'en tout et pour tout ils ont réussi à nous voler une caisse de thé quoi. Youpi. Youpi. Les mecs nous ont poursuivis pendant 2 heures de vidéo, 2h30 de vidéo quasiment. 2h30 pour une caisse de thé. Bonjour la rentabilité. Non, mais faut faire du PVP, faut aller... Si tu veux vraiment faire du PVP, faut aller au crâne et là il y a de la rentabilité, tu vois. Si tu vas au crâne, c'est ça. T'attaques des mecs qui viennent de faire le fort quoi. Mais sinon ça n'a aucun intérêt. Tu fais le fort. Ouais, ouais, mais sinon je trouve que ça n'a aucun intérêt en fait. Alors, c'est l'île derrière encore celle-là, je crois. Je crois. Je crois bien. Il y a un trône, je crois, sur cette île. Mais je sais plus. Je crois qu'il est en haut. Ouais, le trône, je le ferai une fois. Je le ferai une fois, je pense, en solo peut-être, ou comme ça. Bah, à un moment donné, tu seras obligé de le faire avec une autre équipe, puisque les trônes squelettes. Obligé, enfin pas les trônes squelettes, tu peux les faire tout seul, mais les trônes autant attendre la mise à jour des flottes, tu vois. Les gros trônes, tu vas être obligé de les faire, les trônes les de bois flottés, tu es obligé de les faire avec un autre équipage. Ouais, bah autant attendre la mise à jour le 31, tu vois. C'est ça. Curieux de voir ce qui va nous tomber dessus en août. Ouais, je pense que ça va être sympa. Ah, un autre galion. Avant bâbord d'ailleurs. À l'est, c'est ça aussi? Ouais, toujours à l'est. Ah ouais, non, c'était celui-là d'avant, je crois. T'es celui-là d'avant, tu penses? Je sais pas. The Crookedmast, en effet. Un endroit idéal pour planquer des statuettes. Si tu veux mon avis. Tu peux réduire la voile un peu. Bien sûr. Hop là. À moitié à peu près. Demi-voile. Ah, il y a une statue. Il y a une statue. Ouais. Je la vois pas mais je l'entends. Je plonge.
J'ai. C'est une bleuette. Je me la fais. Une saphir. C'est bon. Elle est faite. Hello. Ah, ça t'as trouvé du skeu. Oui, ça veut dire oui. Oui, excuse-moi. Y'a pas de soucis. J'aurais pu rester au sable. What? What? Bon, ça a l'air bien de se passer ton histoire. Sniper! Je peux me tirer au canon dessus, hein, je te dirai rien, y'a pas de soucis. On va garder les boulets. Ils m'ont fait bobo au doigt, hein. Moi je prends le crâne, hop. Je te ramène un crâne, bon, un crâne à 1000 balles. Ça fait plaisir ça. Carrément. Petit crâne à 1000 balles, à 1000 balles ou chambal. Ah, attention, hop, on pose ça bien quand même, hein. On fait les choses bien. Hop. Ça pop. Effectivement, je retourne au bateau. Tu le mets sur le flanc du caillou là et c'est bon. Petit bâtard. Petit bâtard lui. Petit bâtard de grue. Ah, il y en a là-bas. Il ramène une lien. Ouais, il en reste qu'un là, donc je vais poutrer en attente de la suite. Tiens, il y aura un livre à checker. Capitaine. Headshot. Ramène le bord. Ok, je le rapatrie. Ouf. Sur le flanc du caillou si tu peux là. Sur le flanc du caillou. Ouais. Là où je suis. À gauche toi, tu peux courir, il est un peu en flanc le caillou là. Alors attends, ah oui, voilà, nickel, ah oui, je te. Ok, c'est bon, je te capte. Par contre, je vais pas tarder à crever. Des prochains tirs, je suis mort. Non, tu reviens sur le flanc. Ouais, je tombais. Donc bon. Patience. Oh, ce n'est pas un crâne à 1000 boules, comme c'est dommage. J'aurais bien aimé 4 fois les crânes à 1000 boules. Tu l'as vu, le crâne que c'est? Enfin, t'as même bah, pas ça, mort, il s'affiche en fait, ouais. Il s'affiche parce que c'est l'équipage tout entier qui gagne la quête, donc j'ai la quête aussi. Il marque la résolution de la quête. Vu que t'étais dans le bateau de la mort, bah. Si peut-être tu le verrais pas. Oh, non, je suis tenu au courant. Je suis tenu toujours au courant. Ah bah je suis revenu avec mes balles. Je suis même revenu avec les bananes, tiens, je dors mes 4 bananes, parce que je m'en sers pas, hein. Je préfère mourir contre les PNJ, on s'en fout. C'est pas important. Les soleils sont réglés. Suivant. Des squelettes invisibles. Des invisible squelettes. Ouais, il fait jour. C'est ça. Ah. Ah, par contre, c'est des capitaines qui tirent, donc je vais pas pouvoir les ramener au close. Ah,
À gauche, t'as des squelettes encore sur toi. C'est mort. Oh, mais là, tu peux te les faire à distance, de toute façon. Ouais, c'était ce que j'étais parti faire. J'étais en train d'empoigner mon sniper, tranquillou. Tranquillement. Ah. C'est des PNJ, me perturbe pas. Oh, ce n'est pas un crâne à 1000 balles. Bon, allez, le dernier, c'est un crâne à 1000 balles. À 1000 balles ou 100 balles. Non plus. Bon, bah, dommage. Bon, bah, du coup, je les prends pas. Bon, bah, du coup, c'est pas 1000 balles. Moi, je remballe. Ils sont morts dans le fond, je suppose. Ah, t'as récupéré les crânes déjà ? Non, non, ils sont là, au bord de la falaise, je crois. Ils sont là. Oula. Est-ce que t'es mort? Disons que c'était pas une bonne idée, sniper à bout portant, tu peux pas trop viser, quoi. Oh, j'hésite bien, le navire, le vaisseau des damnés. Ben, qui va vers nous. Ah. Ah. Je saute quand même sur l'île parce qu'il y a moyen d'avoir une... C'est quoi, c'est où le prochain crâne? Shipwreck Bay, ok. Ah, je ne peux pas sortir mes armes sur le... Je peux pas sortir mes armes sur le vaisseau des damnés. Effectivement, Galion qui vient sur nous. J'aurais besoin de toi là, faut qu'on se casse. N'hésite pas, tire-toi, moi j'ai cherché le bout de quête que j'ai vu là, traîner sur l'île. Là. Continuer, prendre le mystérieux parchemin, voilà. Obtenir une nouvelle quête. Hop là. Ok, lever l'ancre. Il va vers nous? Bah je sais pas. Il va vers nous. Je lève l'ancre direct. Hein. Tu me dis que ça pue, je lève l'ancre, paf, je descends la voile. Ah, t'as descendu la voile, parfait. Je nous mets sous le vent le plus possible. On n'avait pas eu le temps d'explorer l'île, c'est un peu dommage. C'est de l'argent perdu. Vaut mieux se barrer, mon ami, vaut mieux se barrer. Alors, on a un truc sur Shipwreck Bay. Merde, c'est ici? Non, c'était Crooked Mast, c'est la prochaine. C'est derrière nous. Et les deux sont sur Shipwreck Bay en plus, les quatre là. Bon bah je te rejoins à la nage, hein. je prends un hiber hein, du coup. Alors j'ai un réflexe. Ouais, ils sont sur nous. Ouais, mais avec le vent de face. Avec le vent de face, c'est compliqué. Elle est derrière nous. L'île, on doit aller derrière nous. Ouais, c'est l'île avec les grosses pointes là-bas. Bah à la limite, on peut hein. Allez, je vais faire une manœuvre, j'aurai besoin de toi, j'attends que tu reviennes et on va manœuvrer. Okay. Et on va l'esquiver parce que sinon il va nous rentrer dedans, s'il nous est prone, c'est la mort. Ça va vite ces conneries de galions, je crois qu'il semblerait qu'ils aient accéléré les galions. Hein. Je trouve. Possible. Je trouve qu'ils vont plus vite, hein, parce que là ils cavalent. Hein. Vent de face, ils cavalent sur toi. Hein. Je sais pas encore, je vais pas tarder à prendre un taxi là, il est apparu. C'est bon, je suis là. Ok. Tire l'ancre. Ok. Allez, on la lève direct. Voile en pleine face. Ok, je règle les voiles. Je me charge en obus. Vas-y. Obus à droite. Pas qu'il nous était prône. Là tu peux canarder, canarde. Attention. Oh, ils m'ont touché.
crois qu'on a pris un shot. On a pris deux boulets même. Allez, on répare. J'ai mis le bateau. Tu peux tenir la voile, hein, je répare, c'est pas des gros trous. Vas-y. Il y en a à l'étage. Tu peux gérer la voile. C'est des trous mineurs. Rien de bien méchant. Je garde une planche sur moi au cas où. Tac, je vais évacuer le fond de flotte. Touk. Hop, 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 hop. Allez. Et là, on va glisser sous le vent. Ils font demi-tour. Ouais, je cherche encore à nous poursuivre. Bah non. Non, non, mais tu sais, en fait, tu pouvais le garder chargé ce canon. Je vais garder tous les canons chargés. Tac, tac, tic, tac, tac. Une planche est suffisant. On se recharge en eau biomax. Est-ce qu'on est bien sous le vent? Franchement, on était bien. J'ai fait une connerie, mais on était bien. On était ultra yinde. Hmm. Ça, c'est du crâne de chez tonton. Hein. D'abord, toute. Oui, très bien ici. Hop là. Après, si tu veux, pour ce qui est de cette île, j'y vais à la nage, récupérer la bottle déjà, le coffre. Et si je croise les queues, je tabasse les queues. Hein. Même si ça me prend 15 jours. Comme ça, tu les promènes un peu, hein, s'ils veulent se promener. Ils vont me rattraper après tout seul, je pense. Tu penses? Attends, attends, non, 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 pas toutes les voiles. Ralentis, on va ralentir. On va aller feinter, est-ce qu'ils nous voient là? Ils nous voient pas, ok. Ils sont juste derrière. C'est ce caillou là? Ouais, c'est ça. Hein? Non, mais ça c'est des Isle of the. Il est à droite. Ah non, merde, ouais. Bah non, c'est pas Shivrek Bay, mais du mec du tout. Mais leur genre, pas du tout quoi. Mais de type, pas du tout. Il me semblait. Non, okay, ouais, elle va être à ta droite, monsieur. Une statue. Où ça? Dans l'eau. T'as eu le temps de l'identifier ou pas? Non. Parce que si elle est bleue, je la défonce. Allez, j'y vais. Elle est vers là. Je plonge vite fait. Je l'entends pas. Je l'entends pas. On va vers l'île, hein. La petite île au centre. Vers la petite île au centre. Tu passes à côté là, je crois, non? Bon, je la vois même pas. Non, tellement il y a non. De houle. C'est de où, repérer le bateau où ils sont. Ah, je le vois. Ok, je connais. Ils ont fait demi-tour. Ok, c'est bon, j'ai trouvé. J'ai trouvé la statue, c'est un saphir. Je vais faire demi-tour. Non, non, tu peux m'ignorer. Hein. Y a rien sur cette île. Pour nous, donc. Enfin, peut-être. Je vais voir, je fais la check, mais te rapproche pas trop d'eux. Faut les motiver, quoi. T'inquiète, t'inquiète, je gère. Je vais les mener en bourrique. Ok, promotion obtenue. Maître conjureur. Allez, 15 doublons dans la poche. Et je vais aller faire un crochet sur cette île. Voir un peu ce qu'il y a. Vas-y, appelez. Hein. Il y a deux squelettes. Manœuvrer avec un galion dans des pics rocheux comme ça, c'est la merde. Donc j'en profite. Hein.
En même temps, je récupère ce que je peux récupérer comme loot. Oh, il y a un peu de boulet. Un petit peu de planche. Un peu de planche, par là, qu'est-ce qu'on a? Des bananes? Allez, petit peu de bananes. Ils sont là. Ah, mais t'aurais pas dû rester dans le coin, j'aurais pris un taxi. Ah, mais vous pouvez monter le coffre. Quel coffre? Y'a pas de coffre ici. Mais si, mais y'a un coffre. Ah, mais non. Non, tout est sur Shivrek Bay. Je te l'ai dit en plus. Moi, je suis juste sauté pour faire la statue en fait. Par contre, bah vas-y, tire-toi sans moi. Je vais essayer de prendre. Essayer de prendre une ligne pour essayer de les tirer. Parce qu'en plus, la nuit tombe, donc je vais être compliqué à voir pour eux un petit peu. Allez, salut les gars, en vitesse. Salut. Ils tirent sur toi là? Oui. Ils peuvent. Voilà, je me tire. Ils peuvent. J'ai rien à craindre. Tire-toi, moi j'ai réussi à tuer un squelette avec un tonneau. Donc s'ils veulent faire les malins et venir me voir, bah ils vont se prendre un tonneau. Du coup je vais les voir. Contact avec leur coque. Sauf si je les croise dans l'eau. Ils font demi-tour avec leur galéon là. En plus ils sont en pleine voile les cons. Pour tourner, prendre 10 ans. Moi je trace. T'as raison. Trace tranquillou. Et normalement je vais les ralentir un peu. Et je vais en profiter pour me TP sur le bateau. Oh bah non, il fuit. Oh les demi-molles. Vous fuyez pas. Ils savent pas où ils vont. Hein. Si si, bah j'ai ramené un barrique. Là, ils sont en train de faire, demi-tour là pour essayer de me suivre. Mais... Bah je vois pas l'impression. Je suis juste à côté, j'ai pas l'impression. Essaye d'aller sur leur bateau et tirer l'ancre. Bon, je sais même pas ce que je vais faire. Je vais les contacter avec un baril. Ça va leur faire différent. Je vois rien, j'ai pas cette distance d'affichage, c'est chiant. Ah, ils sont partis. Ah, ils sont partis. Les petites bites. Voilà, c'est tombé. Est-ce que tu es loin, toi, ou pas? Je suis sur la bonne île. Tu es sur la bonne île, d'accord, très bien. Bon, bah je vais essayer d'exploser des squelettes avec un baril. Oh là là, j'aurais deux barils là si je tuais ce squelette. Est-ce que quelque part c'est pas le moment de se suicide? Non, allez, je me TP. Je laisse ce baril, je me TP. On a perdu assez de temps comme ça. J'aime pas trop l'idée de te laisser en galère, surtout si t'es à Crooked Mast. T'es à l'arrêt à Crooked Mast là? Je suis pas encore à l'arrêt. Ok. Bon, attends, je prends un taxi, hein, j'arrive. Un taxi, il faut que je prenne des balles en arrivant. C'est trop bien en vrai les squelettes avec les tonneaux, c'est un moyen de faire de l'argent très facilement. Genre là par exemple si j'avais voulu insister j'en aurais tué un deuxième. Très bon moyen de défense aussi, mais je veux dire là tu vois c'est tout con, genre il y aurait eu personne, j'aurais pu prendre déjà deux barils et te ramener deux barils quoi. C'est comment faire des points de marchand facilement quoi. En sachant que c'est chiant. Est-ce que tu veux que j'aille sur Crooked Mast du coup? Tu m'as effrayé, putain de merde. Ah, désolé, excuse-moi. Je m'as tellement effrayé. Allez, j'ai pas un bon je vais faire un petit. Non, vas-y. Bah non, je vais pas tirer, j'ai pas pu les rattraper. Allez, je suis sur l'île. Je trouve le coffre déjà. J'attends de voir. Annonce-moi la couleur. En dessous des restes. En cage du mutin à l'ouest. Pour que le secret soit aboli, jouer une mélodie. Le mutin à l'ouest, ça me dit rien, mais bon, on va se trouver ça. Ouest. Ah si, le mutin. Mais non, il n'était pas en cage, c'était un squelette, genre par là, mais c'était pas, ça va pas être le bon. Ça va pas être le bon. Alors, on voit que dalle. Ah, les nuits, elles sont noires lugubres. Hein. Hop, excusez-moi.
Voilà, on a le capitaine à tuer. Ah, c'est bon, j'ai la cage. Voilà, c'est bon, j'ai trouvé la cacage. Trouvé la cagette, j'ai trouvé le cajot. Ok, jouer une petite mélodie. Ok, c'est bon. En plus, quelle mélodie à thème. Alors, en dessous des restes en cage du mutin à l'ouest, à portée d'un secret précieux, aller au nord jusqu'à atteindre les paniers, creuser puis régler vos contentieux. Allez jusqu'au nord. Atteindre les palmiers. Au nord. Nord. Bah ignore-moi. Ignore-moi. Fais comme si je n'existais pas. Palmiers au nord. Là on est au nord. Palmiers au nord. Là, le problème c'est que ça veut un peu rien dire leur connerie là. Du coup du palmier au nord, mec, ça peut être partout. Hein. Côté d'un truc précieux, bon bah c'est pas, clairement c'est pas là, de toute façon il y a rien de précieux ici. Est-ce que ce serait plus genre par là? Ah, musique de capitaine, petit son du danger. C'est bon, à trouver un capitaine hein, je pense. Tout du moins j'ai trouvé ces gars, j'ai trouvé ces boys. Ramène-les là, ramène-les là. Devant le bateau. Non, c'est bon, je les règle depuis l'eau. Ouais, mais là, ils sont bloqués. Je vais les tuer parce qu'il y a les autres qui arrivent là. Mais toi, de toute façon, ignore-moi, hein, fais des tours de piste s'il faut. Fais des tours de piste, va ailleurs si c'est nécessaire. Hein. TKT, je ferai ce qu'il y a à faire. Donc d'abord, trouver le petit coffre puisque t'es juste à côté. On aurait quand même pu éviter d'ouvrir le feu dessus, hein. Tu m'as mis la presse mais j'aurais pas dû leur tirer dessus. Parce que ça se trouve que... ils a... Oula. Non. Oh putain, ils sont juste là. Ils sont où? Juste derrière nous. Juste derrière derrière. Est-ce ouais. qu'ils auraient vraiment fait cette erreur là? Parce que là j'ai un tonneau en main. Ils ont amarré. Ils ont amarré. Ah, ils ont amarré. Ouais. Chier. T'as trouvé le coffre tout ça? Non, pour l'instant j'ai juste un baril de poudre. Tiens, regarde, tire le mec avec un baril de poudre là, il est pas très loin du capitaine, tout ça, tout ça. Okay. J'ai envie de leur apporter un baril au mec. Ils ont amarré où? Je trouve envie de derrière leur... Ouais, vraiment derrière quoi. Que j'y vais avec mon baril. Franchement, je le sens bien comme ça. Hein. J'aimerais bien voir s'ils vont essayer de prendre contact avec toi. Pas du tout. Ouais. Ils essaient de se projeter. Ils se projettent. Donc t'en as un qui arrive sur toi, mec. Donc n'hésite pas à lever la voile. Ah bah non, même pas. Il y en a un, il me vise en fait. Sur l'îlot où il est tombé, il essaie de me viser. Ah oui, ils sont juste à côté. Oh putain. Et il n'en reste là, plus qu'un à bord. Bah lève l'ancre. Mais je peux pas, il y a un snipe. Bah lève l'ancre. Lève l'ancre quand même. T'as pas le choix. De toute façon, parce que moi je vais faire sombrer leur navire. Donc Ils sont deux sur moi. Merde. Oh putain, ouais, il y a du snipe, ils sont... Vas-y, va faire péter leur navire. Je voudrais pas me faire péter avec. Bon, je me suis fait péter avec. Oh putain, ils sont 3, mais... ils sont 3 sur moi. Ah, ouais. Je peux pas lever l'ancre, ils visent avec le snipe. D'accord, bah soigne-toi, maintiens-toi. Ils sont 3 de visés au snipe ou y'en a qu'un? Ouais. 3 visés au snipe, donc d'accord, donc ils campent. Je crois que j'en ai tué un. Hein. Ah, il a un baril, Ah, il a pété dans le bateau. Il a fait péter notre bateau. Faut que tu reviennes au bateau, sinon on est mort. Ça charge. Oh, Dieu. T'as fait péter leur baril dans le bateau, toi? Je sais. Oui, à côté. Pas dedans, mais à côté. Parce que je savais qu'il y avait un mec dans la cale. Et je crois que je l'ai emporté avec moi, dans la mort. Des crânes à mon avis là. Ah, ils essayent de nous tuer en boucle.
Va les caquer parce que moi je rame du fion là. Non mais attends, moi je suis mort moi. Ah t'es mort aussi? Bon bah d'accord, bon, bah, on vient de se faire tuer et on nous a tout pillé. Putain, y'a un paquet de mecs sur le... Bonjour. Elle est presque mort. Bonjour, je sais plus comment on dit bonjour. Je crois que c'est alt, normalement. Faut que tu m'aides? Bah je suis mort. On n'est pas mort. Non, je suis mort. Ils nous ont pas tout piqué. Mais ils ont piqué quand même quelques trucs. Ok, j'ai cop. Oui, ils ont piqué celui qui valait le plus de fric. Mais leur navire est en train de sombrer normalement. Si j'ai bien fait mon taf. Je lève l'ancre. Ils ont piqué le meilleur crâne de toute façon. Oui, ils ont piqué le mieux. Le top. Regarde l'autre, il est là-haut là. Fais gaffe à gauche. Hein? Je le vois, Aps. Il est où ce con? Là, on est en train de taper sur un caillou là, mec. Comme Jaja. Okay. Il est tué, c'est bon. Tu l'as tué? Nice. Bon, je m'occupe des copés. Et on va essayer de voir leur navire. Si on peut tuer le mec qui avait le crâne, on est refait. Quoi, leur navire ne coule pas là? Aïe 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 aïe, y'a un mec sur le. Y'a le mec sur le bateau. Ah bah c'est Amy. Ah mais vas-y moi, je me fais enculer à la frame alors que je le bloque. Merci le lagasse. Non bon, ils nous ont coulé hein. Non non, ils nous ont pas coulé, je suis encore vivant. Oh si si, on nous enculé. Là là, ils sont partis pour nous enculer, surtout qu'ils sont en train de tirer sur le navire, donc ils vont le full couler et full tout récup. Mais je comprends pas, le leur là il aurait dû sombrer. Parce que t'avais les mecs qui te guettaient au sniper, je les fais quand même exploser avec un baril. J'ai tué le mec en plus qui était à bord. Du coup, leur bateau il devrait sombrer. Alors je sais que les galions c'est un peu plus long à couler, mais quand même. Deux fois plus long. J'écope, je m'occupe du reste, vas-y. Non mais j'écope, je m'en occupe. TKT. Moi j'ai que ça à faire de toute façon là. Mais fais-nous bouger. Mais on bouge, bon, t'inquiète. Putain. Et d'accord, ils nous ont volé du coup un crâne. Ok. Yep. Et le plus cher bien sûr. Et ils nous empêchent de faire notre quête. Oh les mecs relous. Les mecs relous. Du coup on fait quoi? On annule la quête? Ça se passe comment là? On va la faire la quête. Bah pour ça faut les envoyer par le fond. Je vais surtout aller récupérer mon crâne. Oui. Bah la quête et le crâne. Puisque bah finalement tout est au même endroit. C'est le crâne à faire, le crâne qui nous ont piqué et le coffre à récup, tout est au même endroit. Est-ce que tu peux gérer le bateau 5 minutes? Ouais, sauf que je sais pas où on va. Tu fais le tour de l'île. D'accord. Je l'ai enculé. Ils sont où? Là on se fait tirer par l'île. C'est lié à ça, tu vois? Je sais pas, on se fait tirer par l'île. Tout ce que je sais. Ça tombe assez près et la cadence pourrait ressembler à un IA. C'est squelette. C'est squelette. De toute façon, la cadence, ça ressemble à un IA. Ah bon, on est revenu au point de départ? Ouais. D'accord.
Faut ralentir, ralentir. Ah, ben regarde, c'est leur loot. Ah, mais ils ont coulé alors quand même. Bah ben oui, j'ai... Ah, bien ce que je me disais, je me dis, je vois une sirène. Par contre, je vois une sirène, donc ça veut dire qu'il y a encore un mec dans le coin. Ouais, et ça veut dire qu'il a un autre crâne. Donc, je vais aller me J'entends une statue aussi. Qui doit être à peu près sous notre navire. Qu'est-ce qu'ils ont? Ah okay, oh, putain, ils ont que de la merde, ces fils de pute. Ils ont des vieilles cages à poulets de ces bords là. Ils ont rien. Ils doivent être un ou plusieurs, hein, ou trois. C'est bon, hein. J'ai récupéré le crâne. Et GG. Je peux ramener le crâne déjà. Oui, je t'ai entendu, la statue, j'arrive. Calme-toi. On a pu récupérer le crâne. Le crâne. Bon, c'est une statue. On peut même leur piquer leur. Leur petit truc. Ah, c'est une rubis, on va avoir besoin d'être deux par contre pour aller la péter. Allez, bon, elle sera pas très loin, on pourra se la faire, y'a pas de soucis. Par contre, leur sirène est toujours là. Donc. T'as laissé le bateau seul? Oui. Et je suis à côté normalement, mais bon, s'il y en a un qui a grimpé entre deux dessus, je peux pas le voir vu que j'ai le dos tourné. J'ai jamais laissé le bateau seul, gros. Voilà, je suis au bateau là. Y'a personne dessus? Je crois pas. Peut-être qu'ils se cachent dans la cale, j'en sais rien. Je pense pas, hein. Mais vas-y, check le quand même. Des mecs qui arrivent. Des mecs qui arrivent. Ouais. Ils sont où? Par où par rapport à mon caillou? Par rapport à moi? Par rapport à moi. Je sais pas si c'est toi ou pas. Bah là, c'est moi sur le, ça, sur le caillou là. Ouais. Qui saute, c'est moi. Ouais, c'est... Un sloop au loin. Oh, le crâne à pop. Crâne à pop. Bon, tu vois la sirène? Bon, en vrai, on devrait faire la quête et se barrer. Ouais, bah c'est ce que je suis en train de faire. Je suis en train de te dire, tu vois leur sirène? Je vois une sirène, ouais, je la vois là. Bah, tu guettes parce que soit le mec va essayer de partir avec sa sirène là, soit il va essayer de monter sur le navire. Moi, je vais te chercher la vite fait un poulet ou deux pour te charger ça dans le bateau. Parce que j'ai vu des poulets dorés, donc je les récup. Hein, waouh, elle me fait pas des bouffes comme ça le jeu. Ou alors, il y en a un qui doit se planquer en attendant les autres. Je pense qu'il doit se planquer en attendant le retour de ses précieux amis. Ouais. En tout cas, c'est bien parce que par rapport à l'île, le bateau est caché, quoi. Ça, c'est pas mal. Ah, excusez-moi, hein, le Steam c'est chez moi, visiblement. J'aurais dû fermer Steam. Je continue à garder. Hein. Vas-y, je t'en prie, je t'en prie. Moi, je fais le taf. Je vais chercher des poulets. Donc, résultat des courses, ils ont voulu nous déposséder d'un crâne. Bah, ils ont perdu un bateau et deux cages de poulets. Et ils sont temporairement immobilisés. Ah non, la sirène n'est plus là. Ah ouais, ils viennent de la prendre. Donc, ils ont tous repop ailleurs. Ou, il y en a un qui a rage-kit. Un rage kit pour repopper sur le truc sans prendre de risque, sans nous offrir son kill, comme si ça changeait quelque chose. Encore un joueur Fortnite. Voilà. Moi, je suis content, on a récupéré le crâne. Ah, du coup, si tu veux plonger, enfin plonge pas tout de suite, mais plonger qu'on se fasse la statue tous les deux déjà. La statue rubis. La quête. La statue rubis d'abord. La statue rubis d'abord. Elles sont un peu trop rares, tu seras bien content de l'avoir. Voilà. Statue rubis d'abord, parce que le reste, je peux aller me le taper tout seul, et puis tu pourras bouger le bateau à la limite après. Là, c'est parce que vraiment, elle est quasiment en dessous du navire. Il faut vraiment qu'on soit dessus. Parce que sinon, c'est un peu chaud. Je lève l'ancre déjà.
plein de bananes. Ok, t'es déjà en bas toi? Non, je suis pas encore dans l'eau là. Je te ramène le deuxième poulet doré. Les points de marchand, monsieur, les points de marchand. Ah, des bananes. Ouais, il y a des petits tonneaux de bananes. Faut que je dépose mes bananes. Je me suis gouré de. Je me suis gouré là, vraiment? Vraiment, je t'ai perdu, je sais plus où t'es là, c'est ça? C'est ça notre projet? Ah oui. Si tu me cherches, je suis au sud de l'île, sud-sud-est. C'est bon, c'est bon, je t'ai trouvé. L'avantage, c'est que t'as pas bougé, donc je te trouve quoi. Ah, donc le mec qui nage là, c'est moi avec le poulet. Ouais. Je vais juste regarder un peu. C'est une voile que je vois derrière ton navire là. Au loin. Derrière? Très loin. Ou c'est une tour. Tu regardes moi, tu regardes derrière. Enfin, ce qui revient ouais, devant du navire quoi. Un sloop devant, ouais. Il est loin. Il est loin, ok. Ok. C'est toi avec le baril là? Non, avec le poulet. Et oui, pour la deuxième fois, c'est moi avec le poulet. Elle est où? Ah ouais, elle est bien profonde en plus. Ouais. Voilà, pour les saloperies de nuggets, bago, on peut y aller. Hein. Ok. Ah, il faut déjà que je la géolocalise à nouveau. Ok, elle est là. Ouais, elle est pas si profonde que ça en vrai. Oh, Galion. Galion? Galion qui revient, ouais. Loin ou pas? Proche. Il arrive. Ok, on casse la statue vite fait et on se tire. Allez, on n'aura jamais le temps. Hein. Bah, tu peux le faire, mais il faut qu'on bouge le navire alors. Faut que quelqu'un s'occupe du navire parce que les mines. Non mais il faut être impérativement deux pour pouvoir casser une statue en rubis. On n'aura pas le temps. D'accord. Bon bah laisse tomber, je remonte. Prépare-toi de balader avec le navire. Moi je vais aller chercher le crâne si je peux. Si je peux, le crâne, le coffre. Les deux, le problème c'est que les deux sont visiblement au même endroit. Et vu que c'est un petit peu compliqué. Risque de me prendre un temps certain, voire un certain temps. Ok, ils sont en notre cul. Bah bouge. Je me barre. Ignore-moi. S'il faut, je nagerai pendant des siècles. Alors, est-ce que... C'est pas les bons skeux. Ce qui m'intéresse, c'est ces skeux-là, voilà. Wow. Quoi? Pardon? Ah, ça explose pas le baril? C'est quoi ces conneries? Pédélia de merde. Ok, y'a rien ici. Ah putain, y'en a un sur moi. Touché. Touché au tromblon, mais il me reste pas beaucoup de life. Soigne-toi si tu peux. Je tourne à la banane. Ça suffira probablement pas. S'il y avait un squelette qui pouvait le tabasser un peu, ça m'arrangerait. Ah, je crois que les squelettes l'ont tabassé. Non, ils l'ont pas eu. Putain, les squelettes, mais lâchez-moi, aggro ce connard là.
sont arrêtés sur l'île. Bien sûr qu'ils sont arrêtés sur l'île. TFDP, ils essayent encore de nous piquer un crâne. Putain, le capitaine a pop. Capitaine a pop, ça me casse les noix. Ah, c'est un capitaine close. C'est un capitaine close, il y a peut-être moyen de négocier un truc. Je me fais tirer dessus au sniper. Attendez où toi avec le bateau. J'essaie de violer le capitaine dans un coin. C'est bon, je l'ai eu. Ok, c'est bon. Je suis avec un Gus là. C'est bon, j'en ai buté un autre. J'ai pas pu prendre le crâne, je prends le crâne. T'es où toi? Je suis en train de tirer là, canon. C'est moi qui tire. Oui, mais t'es où? Géolocalise toi. J'ai un mec sur moi. Sud, sud-est. J'ai un mec sur moi. J'ai un mec sur moi, je te déteste. Ok. Sud-sud-est, ça me parle pas. T'as quoi à côté de toi, mec? Mais prends la boussole, gros. Mais je peux pas, j'ai un crâne dans les mains. Ah, j'ai quoi? Je suis. Bah ouais. Ouais, tu es. T'es quelque part, ok. C'est difficile à dire, gros, là, d'ici les cailloux. Bah, je sais pas, t'as un truc. Voilà, par exemple, tu vois. Bon, j'ai réussi à géolocaliser, est-ce que je suis fort? Y'a un mec sur moi. Y'a un mec sur moi. Y'a un mec sur moi. Et je suis mort, et il va prendre le crâne. Voilà. Je suis mort. Donc là, maintenant, tu peux couler leur galion si tu veux les emmerder. Parce que théoriquement, ils sont encore trois à bord du galion, mais en vrai, ça se gère. Paf, moi je vais me mettre en. Ouais. Mets-moi en fenêtré. Voilà, c'est très bien. Non, bah mon équipage, je m'en fous. Hop, mets-moi là-dedans. Bonjour monsieur. T'es là, regarde à droite, à droite. À droite quoi? Le bateau. Ah oui, le cool. Il est pas dans mon champ de tir. Sérieux? Il est pas dans mon champ de tir. Arrête de tourner à droite. STP. Remets un coup à gauche. Merci. Dans la cale, mon pote. Dans la cale. Je m'en voyais par le fion, moi, ton navire de merde. J'ai plus d'obus. Mais je vais te les envoyer par le fion. Hein. Par le fion, mon gars, je te les envoie. Bourrine, 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 bourrine. Il bouge. Oh, ils y croient. C'est trop mignon. Regarde-moi tous ces trous dans la cale, là. Sale bâtard, va. Suceur de teub. Attends, envoie-moi. Attends. Merde. J'y tire. Je monte dedans et tu m'envoies. Vas-y, monte. Vas-y. Il va le réparer, je vais les enculer. Hors de question quoi. Un de moi. Et puis j'aime bien, c'est nous qui nous faisons insulter quoi. C'est eux qui viennent nous péter nos crânes et ils viennent nous insulter quoi. T'as rêvé quoi. Deux de moi. Ah, il y a un mec sur moi. Sur le. Faut qu'on bouge. On est statique, c'est mort. 3 de moins. Ah, c'est bon, l'ancre est descendue. Tac. Mets-moi. Ah, mets-moi une demi-voile, allez. Hop là, on braque. On full braque. Ok. Vite, t'es où? J'ai un crâne à eux.
Non, bah à nous. À nous, c'est le crâne qui m'ont... À nous. Bah oui, c'est le crâne du capitaine qui m'ont piqué quand ils m'ont tué, monsieur. Ah, parce que je te cherchais à te géolocaliser dans l'espace et le temps. Rappelle Watt. Alors. En tout cas, le temps qu'ils réparent là, ils n'ont pas le temps de me suivre. Ils n'auront pas le temps de réparer, c'est moi qui te le dis. Allez, charge-moi ça. Salut les gonzesses, ça va? Bonjour! Oh, mais t'es bonne! Mais t'es. T'aurais dû me le dire avant, gros! Mais moi je suis un thug, mec! Moi je suis un thug, j'ai pas le temps, moi! Mais non, mais dis, gros! Je suis pas là, moi! Mais ils sont deux face à moi, donc qu'est-ce que tu veux que je te dise? Hein. Mais lâche-moi cette putain de voile, connard! Oh, connard de jeu de tes morts, là! J'arrive! Oh putain, j'ai plus de mun. Ah, sa race de ses morts! La jouabilité de ce jeu de fils de pute! Bon bah, ils se prennent le sloop en pleine gueule. Le sloop est sur eux. Le sloop est sur eux. Ça marche, ma vie. Le sloop est sur eux. Ils prennent nos crânes là. Ouais bah, il peut prendre tout ce qu'il veut. Jean-Luc Delahaye. Mais non, mais on l'avait trop géré là. Je sais pas pourquoi t'avais. Oh, mais non, mais on a coulé, putain. Bah, bien sûr qu'on a coulé. On est un petit sloop. Mais... Eux, je leur ai mis je sais pas combien d'obus, ils ont pas bougé quoi. Mais j'ai fait ce que j'ai pu pour te rattraper, pour essayer de poursuivre. Je suis mort. Un de moins. Ils prennent l'eau aussi. Vidéo, fenêtré. Un écran. Voilà, parfait. Fuck off. Enculard. Connard. Suceur de moustache. Ça pourrait être suceur de moustache et une insulte dans le milieu, à ce qui paraît. Deux de mort. GG. Par contre, il y en a un autre qui arrive. Hein. Il y a XXLOLOLTREGAMERXX qui arrive. PGM3. Voilà. Qui semble arriver. Ok. Et ils prennent pas l'autre. Ah, j'ai le Sloop Doggy Dog. Ah, il m'a envoyé par-dessus bord, le bâtard. Vite. Alors, Croquette Mast, c'est où? Croquette Mast. Putain, oh putain, ils m'ont mis à l'autre bout de la map là, sérieusement. Croquette Mast, ça va être là. Sud-est. Oh putain, ça va être chaud. Ça va être chaud. Il est mort. Je suis en train de les enculer. Oh, sud-est, j'ai dit. Il est mort. Bon, bon, ça, c'est pas grave, on se le tape. Allez, on s'en fout, tourne. Tourne, saloperie. Banane. Je suis encore sur leur bateau. Hein. Bah tu fais bien. Et t'as pas moyen de le couler? Je crois qu'il n'y a pas de baril, je crois. Il est mort l'autre. J'en ai au moins tué déjà 6 là. Ils sont plus que deux en fait. Hein. Il y a toujours leur crâne et tout. Si t'arrives à le localiser, tu vois. Bah sud-est, je prends plein sud-est pour essayer de t'attraper. Hein, mais, j'ai le vent avec moi. Ça devrait le faire. Ah, ils sont trois par contre là. Un peu plus sud que est quand même, hein. Histoire. Ils n'ont presque plus de bananes. Un
peu moins le vent avec moi, mais ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Est-ce que j'ai marqué la bonne? Ah, ils m'ont buté. Ah, ils m'ont buté. Ils t'ont buté? Ouais, voilà. Je vois plus rien faire. Je les ai butés 7 fois, là. Je comprends pas comment ils ont fait pour réparer avec tout ce que je leur ai mis comme obus dans la gueule. Puis ensuite, je les ai fait sauter à grands coups de canon, ils étaient là, mais genre tout le temps quoi. Easy, c'est jamais rien passé pour eux quoi. Putain, moi je crois que ma sensibilité. Parce que ce qui est chiant dans le jeu, c'est que genre si tu tires au même endroit, bah ça va pas faire d'autres trous, tu sais. Oui, c'est ça, t'as fait le maximum de trous dans la cale, t'es baisé quoi. Il y aura pas de trous supplémentaires. Puis si t'as qu'un angle et que tu tires au même endroit, bah. Bon, on va plein de balles sur eux. Hein. Ils sont nuls en plus, je les ai pétés tellement de fois, ils sont trop nuls. Ouais, mais n'oublie pas que là ils ont plus de bananes, donc. Et puis cette fois-ci on a les canons, donc plus de bananes, plus nous on a des obus. Y a moyen de les faire discuter. Je sais pas, ils avaient encore beaucoup de planches ou pas? J'ai pas pu regarder, Ils sont à droite là-bas. À droite? Ouais. T'es sûr que c'est eux là? T'es sûr? Les gens, non, c'est pas possible, mec, ils ont pas pu parcourir autant de distance. Si, 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 ils partaient, hein, quand je. Ok, quand je les vois pas, donc dis-moi là si je suis dans la bonne direction ou pas. Tout droit. Ok. Je vais te mettre la voile. Bah, de toute façon, tu peux rien faire, hein. La voile, elle est dans le meilleur sens possible. Hein. Putain. Il y avait quasiment plus de bananes, hein. Il en restait. Ouais, je dirais 5, je crois, au début. Ouais, donc bon, il y a moyen de les finir. Voilà. Donc ils tentent d'arriver à l'avant-poste avant nous en plus, histoire de vendre là, c'est ça l'idée. De vendre notre matos, ces gros bâtards. Je pense que c'est eux, hein. Shivrek Bay. Ah, il y a quelqu'un aussi là. Bah oui. Je sais pas. Mais non, mais c'est ceux qui sont à gauche, mec. Ils peuvent pas. Je sais pas. Je crois pas. J'y crois pas, moi je pense qu'ils sont à gauche. Ils sont sur Shivrek Bay en gros. Le galion que tu vois. À gauche là. Genre si je prends ça comme direction, ils sont à peu près tout droit là. Ouais, c'est un peu sur la droite Shivrek Bay du coup. Et eux ils sont où? Je les vois pas moi. Toi tu les as vus, moi je les vois pas. Genre mon tout pavillon là, je vois pas, y'a trop de vagues là. C'est ça. Alors, bah là ils sont en face. Je sais pas, là l'île c'est l'île à gauche, à droite là. Ouais. On était, et après t'as le bateau juste à droite là, je sais pas. Pour moi c'est juste à droite. Comment ça ils sont où mec? Y'a un mec à droite du bateau, y'a un galion à droite, à sud, et y'a un galion en face de nous. Mais les deux sont pas loin de l'île si tu veux. Par contre, la seule différence entre les deux, je crois que les autres avaient la lumière éteinte depuis avant. Oui, donc là, le plus proche, là, il est où? Le plus proche, il est en face, mais il a les lumières allumées. Alors, je me demande si c'est quand même eux ou pas, mais... Et l'autre? L'autre à droite, mais lumière éteinte. Sauf que je le vois pas. Pleine droite, là, si tu veux y aller. Mais non, je vois pas de navire, hein. Je vois une tour, mais pas de navire. À droite, tout à droite, il y a un galion. Je le visualise pas. Il y a que toi qui peux prendre cette décision. Ah oui, si, putain. Mais t'es sûr, c'est une voile ou c'est une tour de... Non, non, c'est une voile sûre à 2000%, gros. C'est un galion. Ok. Il la tourne. Mais je sais pas. Comme tu veux, les autres... je sais pas. Bon, bah on s'est fait enculer notre mission. On peut se le dire ou pas? On peut toujours la faire, hein, l'île est là. Hein. On peut toujours trouver le coffre, mais le reste on se les fait enfler quoi. Et l'autre, bah après le crâne de ce capitaine, on se les fait enfler aussi donc. Puis moi, ça y a trop de joueurs sur le serveur, ça rame du cul, ça m'énerve. Et après, il faut aller sur Cannon Cove pour les deux derniers squelettes.
Je vais gérer 5 minutes. J'arrive. Yo. Yo. Pas dire wesh. Oui, du coup, on va chercher le coffre là, en fait, ça. L'idée du projet ou le projet de l'idée. Oui, tu nous as caché quoi. Je vois pas trop l'intérêt de nous avoir caché, mais bon. Si t'y tiens. Une histoire de palmier au nord avec des trucs précieux soi-disant. Moi je voyais ce machin mais en dessous, oui. Ça. Et de 4 heures, mon dieu. En dessous des restes en cage du mutant à l'ouest, à portée d'un secret précieux, aller au nord jusqu'à atteindre les palmiers. Alors ce qui est bizarre, c'est que ça fait genre, en fait ce serait à côté de l'autre mais ce serait pas à côté, donc c'est bizarre. Ça gère quoi. Oh, un drone. Yes, mais il faut être deux équipages. Pour celui-là? Oui. Sinon ça s'active pas, c'est ça? Oui. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a de précieux sous des palmiers là? Y'a rien, mec, il me pète les noix là. Là c'est du pétage de noix hein. C'est pas légal hein. Pas légal. Thank you.
essayer de grimper un petit peu en hauteur, mais je pense pas que ça me donnera beaucoup plus d'infos. Là, il y a des palmiers. Alors là, moi, cette énigme ne me dit rien. Ça ne m'aide. Parle pas. Bah, je veux bien, écoute, je pige rien là. Ça veut rien dire cette énigme, elle me perd complètement des trucs précieux de l'ouest mais du nord, de en fait t'as vu s'il fait beau, si les planètes se sont alignées, excusez-moi je suis déjà en train de vous saouler, vous disais-je. Y a une chose que je peux faire, c'est prendre un fusil sniper et descendre ces conneries pour récupérer un baril. Alors, en dessous des restes de cage du mutin, faut que je trouve la cage du mutin à l'ouest. La cage du mutin. La cage du mutin, elle est en sud-est, sud-ouest. Elle est à côté du gros bateau échoué sur la petite colline. À l'ouest, tu veux dire? Oui, à l'ouest. Ok, ouais, j'ai la cage. Un tonneau de poudre, c'est mieux que rien, certains disent, d'autres diront c'est dégueulasse. Il y a une histoire de si c'est précieux machin, mais j'ai rien pigé, j'ai pas trouvé de grand point d'intérêt majeur. Il y a une statue là dessus quoi? Non, c'est un cochon qui fait des bulles. Au revoir. Au revoir les squelettes. Laissez-moi revenir. Promis, je reviens. Promis. On se lâche un SMS, j'arrive. Tu vas au nord, tu prends le premier palmier, tu creuses. Ah ouais, d'accord. Ah oui, donc le si c'est précieux, mon cul quoi. D'accord. Si précieux, c'était de la poésie. Ok. Bon bah, je comprends, j'ai deux barils. Voilà. Tout ce que j'aime et c'est cool. Bon bah il nous reste plus qu'à trouver le fion à deux capitaines, c'est ça? Ouais. Sur Cannon Cove. Cannon Cove, c'est plus au sud. Non, je confonds avec Tivesaven comme toujours. Je confonds toujours les deux, donc l'autre est pas là. Lone Cove, Cannon Cave, le Cannon Cave. Le canon en cave. Ah mais c'est plus à l'ouest, d'accord, c'est plus en mid. Ok, bon c'est plein ouest. Hein. Bon,
Plein ouest. Monsieur, tu me dis, je te lève une ancre. Voilà, fond. On va passer par là, c'est un plus court avec le vent. Ah, Galion. Ouais, j'ai vu à gauche là. Droit devant maintenant. Ah ouais, droit devant et à gauche. Ah d'accord, bon bah il veut les emmerdes hein. Mais non. Tu m'as dit plein ouest hein, c'est ça? Ouais. On va mettre les droits, les voiles à fond à droite. Être nos connards en question, ceux qui ont les lanternes éteintes et qui sont sur l'avant-poste. Mais bon. Possible. Putain, et y a aucun galion sur les vents de mon crâne là, sur la forteresse. C'est ouf. Ma mort. On devrait le faire. On devrait. Mais s'il sera digne, on va se faire ouvrir en deux. C'est comme tu le sens. Ouais, peut-être des gens comme sur l'événement, mais on voit pas encore d'ici. C'est toi qui vois. C'est toi le capitaine. Ah, je crois que je me suis retrouvé là. Ok. Ok, ok, ok. Faire un petit crochet pour les esquiver ou quoi? Non, non, mais j'ai été TP sur le mât là, j'ai pas compris. Ah, petit rollback, les serveurs qui tiennent bien, ultra stable. Même pas rollback, j'étais même pas sur le mât, j'ai pas compris. Mais si, tu devais y être il y a 15 minutes. Gros rollback de ouf, tu sais. On joue plus dans le même espace-temps. Est-ce que c'est un bateau, salopard? Si tu me dis que c'est encore un galion, on change de serveur. Vraiment. Parce que là, s'il y a que des galions et on est un sloop ou deux, c'est mort quoi. On va, non, on va passer notre temps. C'est une tour? C'est une tour? Je sais pas. T'es où? Tu regardes où? Je regarde. En plein. Nord-ouest, ouest. Ah, oh, c'est une tour. Je crois que c'est une tour. Ouais, je vois une tour et je crois que j'ai même vu une deuxième tour. Non, c'est une tour. Et j'ai vu donc une deuxième tour. Que des tours, monsieur. Galion, il tourne autour de l'avant-poste. Est attaqué ou quoi là? Ah non, c'est parce qu'on est le... Non, je vois le crâne clioté avec des couleurs de jet différents, mais je pense que c'est lié au temps. C'est le soleil. C'est le soleil, oui, d'accord. Ouais. Nous aussi, on croyait ça au début, jusqu'à ce qu'on a compris que ça arrivait à ça. Ah, mouette. Tu veux y aller? Comme tu le sens. Ou alors, on peut se faire le crâne d'abord et y aller après. Selon où sera le prochain avant-poste pour y aller. Ça fait un moment qu'il y est en fait. Ouais. Ça fait un petit moment qu'il est là.
Comment ça se passe une forteresse? Taper sur des squelettes. Jusqu'à que c'est ça, jusqu'à avoir le capitaine. Le capitaine qui ouvre la porte. Qui te donne un crâne qui te sert à ouvrir la porte. Quoi. Un seau, ouais, je crois que c'était. Ça. Tu ouvres la porte, au moment où tu insères le truc, le crâne où tu disparais, c'est-à-dire que t'as tout le monde qui vient pendant que t'es en train de charger. T'as intérêt à charger très vite. De toute façon, tu charges le gros coffre et le gros crâne en premier. Ça vaut très 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 cher. Oui, tu finis par les babioles, quoi. Ouais, s'il y a des bateaux qui viennent... Alors, je te capte très mal. Bon, j'ai... Ah, c'est formidable. Des trucs et puis ouais, on va rattraper. Gros chute de co, ça fait plaisir. Attends, il vient par rapport à nous. Il est clairement sur le droite. Ouais. Donc, il est. Ok, c'est à quel hall fort ça se passe à l'event. Donc là, on va aller sur l'île un peu sur la droite. Voilà. Ah, je comprenais pourquoi j'avais de la perte de réseau. J'avais un VR6 qui est en train de se mettre à jour tranquillement. J'aime tous ces logiciels qu'on nous impose qui sont incapables de communiquer les uns avec les autres. C'est génial. Pas de bateau en vue. Hein. Ouais, je crois pas. Ah si, il y a un sloop devant. Tu vois un sloop dessus là? Devant. Non mais pas l'event. Hein. L'event est en contrôlant pour le voir, mais devant nous il y a un sloop. D'accord. Ouais, je l'aperçois. Tu peux regarder la carte où on est, l'île? Attends, je la vois d'ici, je crois. Le Cannon Cove, c'est sur notre droite, sinon... L'événement, il doit être... sur... Ah ouais, Kill All For... Ouais, c'est beaucoup plus au nord. Hein. Mais vraiment ouais. Beaucoup. Genre là, on fait des gros détours, mec. Hein. Je sais pas. Ouais, mais je voulais passer par l'île là, non? Bah, même Cannon Cove, on fait des gros détours là, à la droite. Hein. Ouais. C'est celle-là qu'on voit là. Et bien sûr, on va encore avoir le vent à contresens. Non, c'est une manie. C'est vraiment une manie dans ce jeu. Encore des gens sur Steam, un instant, je l'ai toujours pas fermé, il va falloir faire ça. Fenêtrer. Voilà. Le sloop il est à l'avant-poste, hein. Là-bas. Ouais, ça avait l'air. Ça avait l'air. Hop, non, j'ai rien dit. Ah si. Non. Si on pouvait charger. Charger le contenu de cette forteresse, ça nous ferait grand bien. Tu veux d'abord qu'on se fasse nos deux capitaines débiles ou tu veux qu'on profite de rush la forteresse? Non, non, on a besoin de boulets. Ok. Tant que le crâne n'est pas enlevé, tout va bien. J'avais compris pourquoi il y avait des couleurs sur les îles. C'est la difficulté? Couleurs sur des îles? Ouais, genre là le nom il s'affiche en bleu, tu vois, des fois il s'affiche en vert, des fois... Non, je crois que ça dépend du type d'île. Genre les forteresses s'affichent en rouge. Ouais, voilà, mais mais je crois que c'est la difficulté des mobs sur les îles et tout, je sais pas, ou un truc dans le genre. Ah ouais, tu penses? Bah, c'était comme les statues, il y a vert, bleu et rouge. Tu nous braques plutôt dans l'autre sens? Non, c'est pas grave.
Voilà. C'est parti, à la recherche du loot. On a vraiment plus de boulets. On a encore 35 boulets. Dont 2 chargés, 36. 7. Ouais. Mais si on a un coffre de capitaine, est-ce que ça te va mieux? Est-ce que déjà un petit coffre de capitaine, ça te rend plus jouasse? Un coffre de Stronghold, ça m'emplirait de joie. Attends, je crois qu'en fait, moi j'ai jamais déchargé mes planches. Ok, ouais, d'accord, je suis un connard. En fait, j'ai jamais vidé mes sacoches. Et je nous ai trouvé une bottle. Donc il y a une nouvelle quête qui s'est ajoutée. Donc attends, moi je vais aller lourder mon matos, puis ensuite je vais aller ramasser ce qu'il y a sur la plage un peu. Qu'est-ce que j'ai? Bah j'ai 10 boulets déjà sur moi, hein, que je peux te remettre, voilà. Ok, 8 obus de plus. C'est quoi d'ailleurs la bottle? Sur Crescent Eye, bon, c'est pas ici. Oh, des dorés. De quoi? Ah, du chiant. Du bien chiant. Ah bah ok, j'ai un barré d'explosif et ils en ont deux encore. Ça va être l'explosion. L'explosion de joie et de bonne humeur. L'avantage des dorés, c'est que vu qu'ils sont lents, tu tournes un petit peu autour, là tu les laisses s'aggro les uns les autres, et puis pouf, tu mets une cartouche là-dedans et t'en parles plus. Je sais pas. Ah, t'es là. C'est mon cadeau. Ah, réaction en chaîne. Succès. Ouais, moi aussi. Nice. Tu vois, les dorés, c'est la vie. C'est des dorés. C'est pas des dorés. En plus, ils pop les explosifs. Ah, pas, faut pas qu'ils aillent dans l'eau. Putain, je. Je rollback à l'infini, hein. C'est la grosse stuff hein. Officielle. Hein. J'ai tout fermé, mais bon, c'est la grosse stuff officielle parce qu'il y a moult de squelettes, il y a des joueurs dans le coin. Non, ils vont dans l'eau, les bâtards. Je suis fou, surtout. Non, j'ai pas un obus. Il y a pas d'obus ici? Pas d'obus? Pas d'obus. C'est vide. Oh, je rollback. Oh, je rollback for life! C'est vrai? Ah, ouais, c'est horrible. C'est horrible! C'est vraiment horrible. Je pose un crâne à côté de la barque là, entre la barque et le feu de camp. Moi je ramène déjà le premier. Ah bah t'as déjà t'as pris l'autre, d'accord. Ok. Bon, je te laisse, je te laisse le crâne, je vais ramener le tonneau de poudre.
mais je termine. C'est dommage d'ailleurs qu'on gagne pas d'XP en soi juste en terminant. Pour finir un voyage. Ouais. J'ai trouvé ça tellement débile. De répute en fait. Parce que c'est con, tu gagnes quand même de répute juste parce que t'as fait la quête. C'est-à-dire que comme nous, si tu te fais tout ton. Putain, mais je rollback dans un buisson de l'espace. Et ça éviterait les. Ça ferait moins de pirates en fait, simplement. Les gens feraient plus les quêtes du coup. Bah, je pense aussi, ouais. Je pense aussi, même malgré tout, on va pas se mentir, la communauté est assez à chier. Soit tu tombes sur des gens très sympas, très intelligents, mais bon, quand tu tombes sur des gens, Kevin, qui de toute façon ont décidé de te pourrir ta vie, ils le feront. Ils ont que ça à faire. Voilà. Je vais de l'autre côté, hein, chercher le deuxième crâne. Je suis jamais jusqu'à la table, je roll back dans la table, c'est génial. Mais ma vie est vraiment dégueulasse. Wow, quand j'atterris loin. Oh, non. Ah. Enfin, si moi en plus de ça je me gourre, ça va pas le faire. Ok. Donc ça c'était sur quel bled déjà? Crescent Isle. Crescent Isle, c'est dans le coin normalement, non? Quoique de mast, c'est bouclé. Crescent Isle. C'est là. Ah, c'est l'île du croissant, bah, c'est ça. Ok. Bah, le coffre est sur le chemin de. Est sur le chemin. Avec le crâne, là. Ok. Tu l'as en main, c'est ça que tu veux dire? Non, je disais juste l'éventuel coffre à trouver et sur une île qui est sur le chemin. Je te l'ai encadré. J'ai refait un bond pour essayer de voir si je trouvais d'autres ressources. On va pas s'énerver. Je reste zen. Franchement, je reste un homme de paix et d'amour malgré. Malgré toutes les difficultés qui s'opposent à moi. Putain, je me TP en avant, en arrière. Je peux même pas courir en fait. Si je cours, ça pète un plomb d'un coup. Banane, je suis full. Planche, je suis full. Banane, je suis full. Bon, on n'aura pas trouvé tant d'obus que ça. Hein. C'est un peu vilain. C'est pas très jojo. Péter une guibole, c'était bien. D'abord, monsieur. Ouais, c'est ça, hein, des planches et juste des bananes. Pas grand chose hein, en obus, hein, c'est un peu la tristesse. Hein. Ouais, les obus, c'est toujours chiant à remplir, de toute façon. Donc voilà, je t'entourais toutes les îles du monde qui nous intéressent. Hein. Je peux nous entourer l'avant-poste, si tu veux. Non, ah non, il y a l'avant-poste de sanctuaire, il est encore plus intéressant. Tac, ici. En fait, tu peux aller plein ouest sur Crescent High, par exemple, si tu veux. Il est toujours là, putain, la forteresse est toujours là, quoi. Personne ne veut la faire, hein, vraiment. C'est hors de question. Bon, c'était appréciable de trouver un petit coffre de capitaine quand même, hein, ça fait du bien. Le crâne aussi. Il y a un sloop à gauche, hein, va pas trop à gauche. Ne va pas les tenter. À gauche? Ouais. À marée à l'île. Je vais voir. Ah,
putain, c'est une rouge et une bleue. Il y en a deux. Mec, t'as... on n'a pas acheté l'encre. Mec, on n'a pas acheté l'encre. Ah, j'ai dit je vais voir. Bah, ah merde. Ouais, sauf que j'avais déjà plongé quand tu m'as dit je vais voir. Ah merde. Bah, fallait me dire que tu plonges. Voilà. On a l'air. On passe pour des blaireaux tous les deux, c'est magnifique. Ah bah vas-y, go sur la rouge, mec. Hein. La bleue, moi je fais d'abord en premier. Bon bah, je commence à tabasser la rouge. Oh là. Si je rollback pas, for life, forever. Forever tonight. Vas-y, va prendre de l'air. Je fais rien, putain. Au moins on alterne. Pour ça, moi aussi je vais devoir alterner. On peut pas alterner, ça sert à rien. Mais faut la finir, faut la maxer. Soit on la finit, soit on remonte et on revient et on la réinitialise, quoi. Soit tu vois. C'est sur top. Et là on va crever si on remonte pas. Et la bleue, je suppose. Oui. Alors, faut récupérer notre navire. Il vit sa vie. Ah bah, voilà. Il fait niaquer par un requin. Ouais, je crois qu'il y a un petit requin qui traîne. Ah, faut que j'atteigne le truc avant de me faire niaquer. Allez, Ultraman, vas-y. Ah, il y a du monde. Il y a du monde. Sur le bateau ? Il y avait un mec qui avait un skin de squelette. Oh. Rigolo. Et c'était vraiment un squelette le mec en fait. C'est très très rigolo. J'ai jamais vu lui surtout. Ouh, ça charge longtemps là. J'aime pas ça. Est-ce qu'on nous aurait réinitialisé notre navire? Est-ce qu'on aurait perdu tout notre loot again? Bah alors je rachète. Hein. Je fais pareil. Je te fais une match kit. Non, je pense pas non. Ah, on est en train de... Ah, ok. On est en train de... On est en train de prendre très cher. Alors je sais pas... Ah, il y a un sloop à côté de nous. Qui est en train de nous attaquer. Donc dès que tu es là, ben je... Faudra... Bah quand je serai là. On a jeté notre... Ah ouais, c'est bon. Et je suis mort. Faudrait le tuer l'autre. Je l'ai tué. Ok, vas-y, tu peux réparer le temps que je revienne. Il a jeté l'encre en plus. Je veux bien mais ça va être compliqué parce que là il y a vraiment des trous partout. Hein. Ils ont fait sauter les barils là-bas. Mais non mais putain je me plante, je prends les planches. Bon, on a coulé. Hein. Vous les couler? Oh ouais, là je peux écoper jusqu'à demain, ça changera rien. Vas-y, j'arrive. Ah, il y a des trous sur tous les côtés. Écope. J'écope. Oh putain, puis alors ce navire qui veut pas. Il y a tellement de morts là, je suis en train de revenir. Putain, non, on a tellement. Bon bah, on a coulé. C'était bien. Non, couler là? Ah, ouais, le navire est en train de se retourner. Ah bon? Bon. Oh putain. Y'a que des connards dans ce jeu, au secours. Après c'est un jeu de pirate hein. Oh, c'est un jeu de connard ouais. Bon, y'a des événements à faire en commun hein, si on veut hein, mais depuis le début mais bon. Chargement de l'infini pour moi donc Oui, le navire a coulé. Effectivement. Après, je peux t'attendre là où il y a le navire, là où il y a l'ultra. Et moi, ce sera un rush kit pour moi. Ce sera un rush kit. Allez, on rush kit tous les deux. Allez, des bisous YouTube, hein. Ça se finit sur un rush kit.